Vous venez souvent dans le coin? Je ne vous avais jamais vu par ici. Ah! Oh, oh mais non, mais c'est pas possible. Ah, c'est un peu dégueulasse quand même, hein. C'est quoi ça? Que vous allez bien, bienvenue dans ce jour 6 de Vlogmas. Déjà, est-ce qu'on est bien le 6? Attends, hop, oui, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je vais vous préparer un petit déjeuner allègrement constitué par mes petites mains. Et oui, les gens, si vous me connaissez un minimum, vous savez très bien que j'ai des talents culinaires inexistants, mais j'ai envie de changer. Vous savez, dans la vie, on doit évoluer. Du coup, j'ai pris une recette sur Marmiton pour apprendre à faire des pancakes. Il faut savoir que les crêpes pour n'importe qui, c'est un truc extrêmement simple à faire, mais pour moi, pas du tout. Du coup, j'ai pris une petite recette sur Marmiton et pour réaliser des pancakes, alors j'ai mis pour deux personnes parce que voilà, je suis un gouffre humain mais quand même pas plus. Du coup, pour deux rations de pancakes, il nous faut un œuf, une cuillère à soupe de sucre blanc, une cuillère à soupe d'huile ou de beurre fondu, 150 g de farine, une bonne cuillère à café de levure et 200 ml de lait. Nous avons tous les ingrédients ici présents et nous allons commencer. En vrai, je suis la meuf sereine mais j'ai grave peur là, ça va ressembler à rien. Premièrement, battre grossièrement l'œuf et le sucre dans un saladier. Du coup, je vais prendre ce saladier là. Hop. Alors, il faut que je mette l'œuf et le sucre dans un saladier. Oh shit. Oh my god. Ah. Non, attends, ça commence déjà bien. Ok, bon, première étape, ne faites pas comme moi, ne faites pas tomber la coquille d'œuf dans la préparation. Ensuite, on prend la cuillère à soupe de sucre blanc. Une bonne, hein. Moi j'aime bien le sucre. Il faut que ce soit calorique et sucré. Après avoir mangé ces pancakes, je vais avoir 20 calories. Mi amigo. Voici le fuego. Une cuillère à soupe de beurre fondu. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit récipient, une cuillerée entière de beurre, et on le met dans les petits pots juste ici. Je vais mettre au micro-ondes en espérant que ça n'explose pas. En plus, le micro-ondes, il y a genre de l'antiquité. Regardez la tête qu'il a. Dès que je l'allume, j'ai l'impression que j'ai le cancer instantané, c'est horrible. Ah, ça suffit pas du tout, ça. Faut que je mette genre 40 secondes. Ah, bon, je vais déjà. Il est pas entièrement fondu mais je vais l'écraser avec ma cuillère et puis ça fera l'affaire. C'est pour ça que je suis nulle en cuisine. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je suis là mais c'est pas grave, on va faire comme ça. T'inquiète pas, ça va passer au calme. Oh, ça sent trop bizarre le beurre fondu. Étonnamment j'aime bien, je pourrais presque le... Non, c'est dégueulasse. Voilà, maintenant on a un résultat hyper gluant et fondant. Vous voyez pas parce que voilà, l'angle de la caméra, j'ai pas envie de tout renverser. Du coup je vais pouvoir me concentrer sur ma partie préférée. Celle que je ferai à chaque fois. On va y aller progressivement. Bon, jusqu'à présent c'est pas très compliqué hein, j'ai juste besoin de... C'est juste que ça fait un bruit abominable. Regardez quand j'ai pas le coup de main, genre. J'essaie d'imiter ma mère parce que ma mère est genre super bonne cuisinière et à chaque fois elle est comme ça. Mais genre ma mère elle a une force surhumaine, elle pourrait faire ça pendant 2 heures, ça lui fera même pas mal au bras. Et moi en 2 minutes je suis là genre. Oh s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Y ajouter le beurre fondu. Mélanger à part la farine et la levure. Ok. Pas mal de beurre fondu coincé sur ma cuillère. Eww! T'as dit kaboul, moi j'ai kaboul, la boubidi bobidi. On va l'incorporer en touillant. Hein. Pour l'instant, ça ressemble à quelque chose. La meuf, elle a juste mis un œuf, du sucre et du beurre, on va se calmer tout de suite. Écoute, ce sont les petites victoires qui font les grands plaisirs du quotidien. J'ai encore mis de l'œuf partout sur mes doigts, dégueulasse. Genre la pression de l'eau, c'est n'importe quoi. Et là, il y a eu le malheur d'avoir une éponge dans l'évier, du coup, ça a tout. Ok, je savais que c'était un désastre de faire de la cuisine, mais pas pour ce genre de détails. Heureusement que j'ai pas trop bouffé comme une grosse, sinon vous verriez juste mon ventre en. Pourquoi mon foie il est tout tordu là? Vous voyez, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas avec ce foie, on est d'accord? Ensuite, alors, dans un bol à part, il faut mettre la levure et la farine. Alors, la farine c'était 150 grammes, je crois. Une bonne cuillère à café de levure, bon déjà. Eh! Hein? Mais. Eh! Ouais, je suis vendre de la levure périmée, c'est quoi cette blague? Bac plus 10, ouverture de sachet de levure. Faut des doigts de schtroumpf et une force de démon là pour ouvrir ça. Chut. Non mais ça va, je sais ce que vous me dites. Chut. Sans commentaire. Eww, c'est dégueulasse. Ah, moi j'ai la phobie des asticots, vous avez déjà regardé de la levure de près? Regardez, c'est dégueulasse, on dirait... Oh, eww, j'ai aucune envie de mettre ça dans ma préparation. Ah, oh, ça me dégoûte. Ah, faut pas que je regarde. On dirait des asticots, ça me dégoûte. Soyez témoin que j'ai bien mis 150 grammes. Oh, ok, ça fait juste 30 grammes. Je me suis inquiétée pour rien, ça va. 135, 147, 150 de fil. Oui, je prends une bosse, à ma bosse, à ma bosse. Ok, du coup on va mélanger ma farine avec ma levure. Je vais y aller avec les mains hein, pour le coup parce que je vois pas l'intérêt de prendre un fouet pour ça. Je regrette amèrement ce que je viens de dire. Du coup il faut que je mélange la moitié avec la préparation, délayer progressivement avec le lait tout en rajoutant l'autre moitié de la farine. Challenge actuel, mettre la moitié de ça.
Je suis en train de galérer. Oh et oh et. Bon, je suis très nulle pour le setup des caméras. Vous voyez absolument pas ce qui se passe dans mon plat. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est savoir si je vais. Oh, mais l'aspect que ça a. Oh my god. Oh, ça a l'air trop appétissant. J'ai grave envie d'en mettre dans ma bouche là. Oh, vous voyez cet aspect tout. Oh, tout gluant. Ça fait vachement érotique pour de la pâtisserie quand même, ce que je dis là. Mais non, mais ça c'est le pire truc quand ça fait ça, que c'est tout coincé dans la. Dans le fouet là. C'est relou. Je suis en train de me battre avec mon bordel. Genre... Alors, ils disent qu'il faut rajouter petit à petit le lait tout en ajoutant la farine. Oh my god. Mmh. Eww. Ah. Je croyais que ce serait bon, il faut plein de beurre. Dégueulasse. Alors, un peu de lait. Vous voyez ma super préparation bien dégueulasse là. Le but c'est actuellement d'éviter les grumeaux. Du coup, ça c'est vraiment pas mon fort. C'est vraiment le seul bail que j'arrive jamais à faire. Même quand je fais des crêpes, genre c'est grave. Et même avec un robot mixeur ou un smoothie truc machin là, je vais quand même faire des grumeaux. Du coup, c'est la mort. Mais bon, ce que je fais pour rattraper le coup, c'est que je mets beaucoup de sucre. Comme ça, quand tu mords dans un paquet de farine, tu sais pas trop si c'est du sucre ou de la farine. Oh my god, j'arrive à faire une pâte sans grumeaux. Regardez comme c'est beau. Oh my god. Bon après j'ai pas encore rajouté toute la farine ni tout le lait, mais avec un fouet je suis choquée, genre je suis trop fière de moi. Ça c'est parce que vous êtes là, vous savez que quand je vous ai en caméra je réussis tout ce que je fais. C'est ouf, pourtant d'habitude je suis une ratée. Ah, je vais vous chanter une chanson de Saint-Nicolas vu que c'est la période. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi tes fins. La farine, le moment fatidique. Et c'est avec succès que la joueuse Sums Up réussit à ne pas faire de grumeaux dans sa farine, ou presque. Parce que là vous voyez rien, mais je vous le dis. Oh merde, mais pourquoi on dirait qu'il y a des grumeaux là quand je vous filme? C'est une illusion d'optique, je vous jure. Bring me to you are the killer. Ça y est, je fais de la cuisine, je me mets à chanter comme une femme des années 60, là, une femme au foyer. La 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 la. Qui veut manger les petits pancakes? Je suis célibataire si un mari veut bien s'en charger. Je dis pas que si t'es riche, je mettrai pas de mort au rat. Mais bon, t'auras un bon repas avant de mourir, c'est déjà ça. Et moi j'aurai un bon héritage. Oh, je suis horrible. C'est comme à l'époque quand je regardais Playboy là, genre le mec. Ah! Ça c'est le karma ça. Ah! Mais c'est bon, c'était une blague, oh karma, calme-toi là. Non mais en vrai, quand je regardais Playboy quand j'étais jeune, d'ailleurs je me demande pourquoi je regardais ça, enfin sur MTV, il passe tout et tout. Au soir, ils mettaient la maison des Playboy et tout, et je comprenais pas, genre j'étais là. Tu sais, quand t'as 13 ans et 14 ans, ou je sais pas, et tu vois des meufs qui sont super jeunes avec un mec de 80 ans, tu te dis, est-ce qu'ils font des trucs ensemble ou... Alors que oui, mais c'est horrible, genre, enfin je sais pas, genre moi je trouve ça hyper chelou là, le concept de Playboy, genre. Oh my god, j'ai foutu du nez partout, mais c'est bon, le karma, j'ai quand même de donner mon avis, oh. Ok, bon. Résultat, nous avons une super pâte non grumeleuse. Oh my god, that's crazy. Alors, hop, vous, je vous mets ici. Je suis en train de tout casser dans ma cuisine juste pour votre vidéo là. Ok, je pense que je peux essayer de faire mon premier pancake ever. Oh my god! C'est un grand accomplissement dans ma vie, ça paraît rien comme ça, mais je vous jure. Aïe, oh, je vais me niquer là. Oh, je viens de me prendre là. En plein dans ça là. Au cas où vous n'étiez pas au courant, oui, chez les filles aussi ça fait très mal. Ok, ready, set, go. Oh my god, ça va me faire une crêpe là, c'est pas du tout un pancake. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, il est en train de se... Il est en train de s'étaler de ouf là. Oh, ça marche, ça fait des bulles. Attends, non, ça a fait deux bulles. Je sais pas si ça marche. Je sais pas si j'ai réussi à faire des pancakes, genre ça fait pas tant de bulles que ça en fait pour l'instant. Ah, quoique. Oh, je suis fascinée, je suis au-dessus de mes pancakes genre. Quelle merveille du monde vous êtes! Oh my god, ça fonctionne, ça fait des bulles! Tous ceux qui ont la trypano, je sais pas quoi, la phobie des trous, là, je vous plains. Oh, il gonfle! Il gonfle! Putain, la meuf, elle est grave extasiée par un pancake! Mais les gars, ça marche! Je suis trop contente! Je suis trop fière de moi, là, vous pouvez me libérer un prix Nobel, vous pouvez me donner un prix, un Oscar, tout ce que vous voulez, mais pour moi, en train de faire des pancakes, oui! Par contre, je m'inquiète un peu parce qu'il y a qu'un seul côté qui fait des bulles et pas l'autre. Attends, je vais. Oh, je vais casser! Ah mais il est pas du tout cuit. Oh mais attends, mais... Voilà, ce qui arrive avec moi, c'est que mon pancake est cuit, même pas cuit. Et je l'ai retourné trop tôt parce que j'ai paniqué parce qu'il y avait des bulles, mais il faut attendre qu'il y en ait genre blindé. Je vais mettre sur ses ennemis. Je vais mettre sur neuf. C'est la meuf. Faites réchauffer à feu moyen. Oh, je sais pas quoi en penser là. Oh, il fait des bruits. Tu parles? Tu communiques avec ton créateur, c'est-à-dire moi? Raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu veux me dire, pancake? Oh mais non, mais c'est pas possible. Arrête de tout casser tout le temps, bordel de crotte. Mais je sais pas, il y a un problème. Mais pourquoi mes pancakes elles sont pas aux pancakes sur les photos là? Le temps que ça cuise. Salut vous. Vous venez souvent dans le coin? Je ne vous avais jamais vu par ici. Vous venez me voir cuisiner des pancakes? Dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Le premier est un échec. Regardez-moi ça, genre. C'est quoi ça? Oh, celui-là il marche bien, il fait des bulles et tout. Ça, c'est ce que j'imaginais quand je pensais à un pancake, voilà. Oh, il a l'air trop réussi celui-là, il fait plein de bulles. Oh,
Faut que j'attende qu'elle soit vachement grosse les bulles et qu'elle soit éclatée. Ah, c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Oh, regardez ça, les gens qui ont la phobie des trous, je suis tellement désolée. Même moi, ça me met pas bien, genre. Retournons-le pour voir. Bon, celui-là, on va le mettre de côté, hein, vu qu'il est moche. Je veux que mon assiette finale ressemble à quelque chose, donc on va le virer. Je le mangerai quand même, mais pour la vidéo, on va garder que les beaux. Waouh, regardez, des deux côtés. Oh my god, ce côté-là. Et ce... Couché. Bon, étant donné que ça fonctionne, je vais continuer à faire mes pancakes. Et je vous retrouve après quand c'est terminé. Bon appétit, miaou. Oh my god, je suis contente. Je suis contente, regardez comme ils sont beaux. Oh my god. La précision des couches, oh. Rien à voir avec ce premier resté là, c'est comme le premier enfant dans la famille, il est toujours raté. Genre vous avez pas trop envie de manger mes pancakes là. Mais bien évidemment un truc que j'adore faire avec les pancakes, il faut du sirop d'érable et de la confiture de myrtille. Et oh my god, je vais vous montrer par dessus, oh my god. Look at this. Oh, oh my god. Oh, je vais le défoncer. Regardez-moi cette œuvre d'art. Bref, voici mon super chef-d'œuvre. J'espère que la vidéo vous a plu. Je n'ai qu'une hâte, c'est de goûter cette chose. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé. Et je vous retrouve demain, du coup, vu que c'est les Vlogmas. En tout cas, si tu veux suivre la suite de mes aventures, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Insta. Et je vous dis à demain.